Voilà, donc mes ruches sont sur le colza depuis hier. Ça a l'air de travailler. Donc là, on va leur mettre les hausses. Voilà, donc lorsque vous posez des hausses, sur les ruches, en fait, vous voyez, là, mes abeilles commencent à construire au-dessus des cadres. Voilà, donc là, ça veut vraiment dire... Donc, il faut une ruche très populeuse. Et vous voyez les constructions ici. Voilà, là, ça prouve que ça y est, elles n'ont plus de place. Donc, il faut mettre la hausse. Une question que j'ai souvent également, qui concerne les hausses, on me demande ce que je mets... Comment je fais bâtir mes cadres de hausse? Donc en fait, je conserve des cadres de l'année précédente que je stocke contre la fausse teigne. Je vous explique comment dans une de mes vidéos. Je vais vous mettre le lien là. Et donc j'intercale un cadre bâti avec un cadre amorcé. Je vous rappelle que je ne travaille qu'avec des amorces et même dans mes hausses. Donc j'alterne tout ça. Et en fait, la cire, les cadres déjà bâtis vont aider les abeilles à monter. Parce que des fois, elles ne veulent pas monter quand on a que des cadres cirés. Elles ne veulent pas monter. J'ai testé l'année dernière un bâti cadre. Je vais vous montrer, parce qu'il y en a qui se posent la question. Donc j'avais un petit doute sur l'efficacité, puisque ce sont des cadres en plastique que les abeilles doivent étirer. Et en fait, ben, vous voyez que ça leur pose pas de problème. Donc ça, c'est un bâti cadre. Et elles le construisent plus vite. Mais bon, voilà, moi, je suis pas trop plastique. Voilà. Voilà, donc là, je vérifie les ruches sur lesquelles j'ai posé des hausses. Voir un petit peu ce qu'elles font. Alors, je vous rappelle que c'est tout récent. J'ai posé les hausses... Il y a même pas 48 heures. Donc l'objectif, c'est de voir si elle monte. Donc effectivement, elle commence à monter dans la hausse. Alors, pas encore. Pas énorme, mais voilà. Moi, je travaille avec les cadres de l'année dernière que j'alterne. Que j'alterne avec des cadres amorcés. En fait, ça les fait monter beaucoup plus vite. Hein, souvent, on voit des apiculteurs qui se posent la question pourquoi les abeilles ne montent pas dans les hausses. Ben, sachez que si vous alternez un cadre bâti avec un cadre amorcé comme moi je fais, ça les fait monter beaucoup plus vite. Voilà, donc là, même chose, hein, les abeilles montent dans les cadres qui étaient bâtis. Donc là, c'est un bâti cadre que j'ai utilisé l'année dernière. Et puis finalement, ben, pour ceux qui se posent des questions, alors je suis pas du tout, je suis pas spécialement pour, j'ai pas d'avis sur le bâti cadre. Mais enfin, vous voyez qu'elles avaient construit l'année dernière. Bon là, je ne fais pas de visite des colonies parce que je l'avais fait avant de les amener sur les hausses, sur le colza.
Là, je vérifie juste que tout se passe bien. Alors, pour information, vous allez dire que je répète souvent, mais je n'ai pas enfumé. Vous avez vu? Voilà, je n'enfume pas et ça se passe très bien avec mes abeilles.